Bonjour David Nishon, dans cette vidéo je vais partager avec vous une technique d'apprentissage incroyable. Alors c'est un ensemble de techniques qui va vous permettre de devenir un expert. Pour tout dire, c'est 4 techniques qui vous permettent de devenir expert dans n'importe quoi. Ces techniques, je les ai tirées du livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferris, qui est pour moi le meilleur livre pour les entrepreneurs. Je vous encourage vraiment à le lire. Je vais mettre le lien pour que vous puissiez aller l'acheter sur Amazon ou le commander en physique. D'accord. Parlons des 4 techniques justement pour être expert en n'importe quoi. Bon, déjà avant de vous parler de ça, je vais vous parler de quel genre d'expert vous deviendrez. Parce que il y a être un expert et être perçu comme un expert. Deux différences. Une différence, pardon, notable. Être un expert, c'est vraiment en termes de connaissances, avoir des connaissances vraiment étendues dans un domaine. Par contre, être perçu comme un expert, c'est être vu par une certaine audience comme quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans un domaine. D'accord? Si je prends un exemple, si je porte le blouson d'un docteur et que je rentre dans un resto où un client fait une attaque, je fais juste qu'avec mon blouson je dise je suis docteur, les gens me laisseront faire. D'accord? Parce que mon blouson leur a laissé croire, d'accord, mais les a persuadés que je suis un docteur alors qu'en fait je ne le suis pas. Donc les techniques que je vais vous montrer, c'est vraiment ce genre d'aspect qui vous permettront d'être. D'accord? Mais le plus important, c'est que être perçu comme un expert, c'est une arme commerciale. Contrairement à être un expert qui est, je dirais, un facteur de qualité du contenu. Mais le plus important, c'est, je pense, pour ceux qui veulent être des blogueurs ou des entrepreneurs digitaux, le plus important, c'est être perçu comme un expert. Comment l'être? Voici la première technique, selon Timothy Ferris. C'est de devenir membre d'une organisation, de 2 ou 3 organisations professionnelles relatives à votre domaine. Ok? Donc, ça peut être des communautés en ligne, des communautés physiques, mais ciblez 2 ou 3 communautés dans votre zone, soit dans votre pays, dans la sous-région, dans votre localité, assez réputée. Devenez membre de ces organisations et participez à leurs activités. Deuxième technique, c'est de, comme il a dit, là, lire 3 livres. Donc, lisez les 3 livres les plus vendus, consacré au sujet qui vous passionne. Moi, je dirais mieux que ça, c'est suivez 3 formations dans ce domaine. Une formation complète dans le domaine qui vous passionne. Une formation qui a été faite par quelqu'un qui est perçu aussi comme un expert. Suivez une de ces formations. Ou si vous êtes de la vieille école, vous pouvez lire carrément 3 livres. C'est pas que lire des livres, c'est être de la vieille école, mais je pense que avec le e-learning, on peut apprendre plus. On peut apprendre plus que le fait de lire 3 livres. Donc, ça c'est la deuxième technique. Troisième technique, donner un séminaire gratuit de 1 à 3 heures de temps, comme il est dit. Mais moi j'irai encore plus loin, je dirais donner régulièrement du contenu de qualité. Et ce gratuitement à travers les médias sociaux. Ça peut être votre blog, ça peut être les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, mais partagez régulièrement. Si vous partez sur mon compte Instagram, j'en profite pour vous inviter à me suivre. Je dirais, mon identifiant s'affiche là, donc allez sur Instagram. Vous allez voir, je publie régulièrement du contenu de qualité et aussi gratuitement. Faites-en de même, même si vous partez sur ma page Facebook, mon ID aussi sort là. Vous allez pouvoir regarder un peu ce que je veux dire par là. C'est vrai, pour obtenir des invitations dans une université, aller donner gratuitement des cours, ça peut passer. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est voilà, pas besoin, avec les médias sociaux, pas besoin d'aller demander la permission à qui que ce soit. D'accord? Juste aller faire des recherches sur le domaine grâce à la formation que vous avez suivie ou au livre que vous avez lu. Vous aurez vraiment beaucoup de matière à discuter avec les audios, avec les personnes qui sont sur le web. 4e et dernière technique,
Il a dit c'est facultatif, mais c'est le proposer à des magazines spécialisés d'écrire un ou deux articles. Moi, je vais encore plus loin. Au lieu d'aller voir des magazines spécialisés qui sont un peu dépassés, vous partez voir des blogueurs, d'accord, vraiment connus dans votre domaine. Vous leur proposez d'écrire ce qu'on appelle des articles invités. Un blogueur qui fait fréquemment ce genre d'invitation, même, s'appelle Olivier Roland. Il y en a d'autres, voilà, qui proposent à une certaine audience de venir écrire des articles invités. Ça vous permet non seulement d'avoir de la visibilité auprès d'une plus grande audience, ça vous permet également d'être perçu par cette audience comme un expert. Donc, n'attendez pas forcément que ces développeurs influents vous invitent. Écrivez-leur pour pouvoir écrire pour eux gratuitement du contenu. Donc, c'est vraiment les quatre techniques que je voulais partager avec vous. Première technique, devenez membre de deux ou trois organisations reconnues dans votre domaine. Deuxième technique, suivez une formation complète dans le sujet qui vous passionne ou lisez des livres relatifs à ce sujet. Troisième technique, donnez du contenu gratuitement en ligne. Si vous voulez aller dans une université aussi, vous pouvez le faire. Quatrième technique, proposer à des blogueurs influents ou des personnes, des magazines influents, d'écrire des articles pour eux. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelles sont d'après vous les autres techniques pour devenir un expert? J'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Laissez un petit pouce si vous avez aimé pour m'encourager à faire d'autres vidéos, s'il vous plaît. Et regardez la vidéo en complément qui est en train de s'afficher. Surtout, apprenez toujours. Ciao.